réussi, Canary 1. Bonne chance, les gars. Retour pour l'extraction en fin de mission. Terminé. Bien reçu, Canary 1. Alpha 2, terminé. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la deuxième partie du Let's Play sur Desert Store. Attention. Ah, c'est au moment où je mets le stream en 30 fps, enfin l'enregistrement en 30 fps, que le jeu se met à tourner en 50 fps, c'est magnifique. Ah bon, ce sera pas pour longtemps. Le jeu est étrangement fluide là. Alors. Bon, j'ai passé le briefing hein, parce que. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Ah, d'accord, c'est plein de chèvres en fait. Vous l'avez déjà vu précédemment. Bon, j'ai quand même laissé la cinématique. Pour le fun. Ah, il y a un ennemi là-bas. Ah oui. Un berger, c'est un ennemi. Ah, je le tue. Bah, il meurt pas. Ah d'accord, c'était un civil. Bon. Ouais, sinon il allait appeler ses potes les soviets. Ah moi je suis comme ça, moi je tire tout de suite. Ah, attends, et si il s'enfuit comme ça là, c'est bien pour... Appelez les soviets, hein. Donc c'est un fourbe. Alors... Que faut-il faire? On va voir la tronche des chèvres. Ça peut être rigolo. Yeah, 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 yeah. Bienvenue sur Nintendo 64. Bon, on est parti. On est prêt. On est prêt à avoir toute atrocité après avoir vu la chèvre. Alors, d'accord. Et eux, par contre, c'est vraiment des soldats. Objectif abattu. Oula. Position repérée là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Le curseur n'est pas rouge, donc ça veut dire qu'on est trop loin pour le toucher. Tout simplement. Peut-être que Dr Jones pourra nous en dire davantage avec son sniper. Non, il a pas de sniper. Dr Jones. Ah non, c'est lui qui a le sniper. Oui. Ah mais les gars, moi j'ai cru que c'était le Black avec une casquette, un chapeau. Attention, je me concentre. BAM! Bon, je sais pas si je l'ai eu. En tout cas, c'est quand même bien essayé. Objectif abattu! Allez. Avancez! Infanterie repérée. Au secours! Oh. Je me souviens des doublages, c'est magnifique. Ils sont touchés, c'est... Au secours! Au secours! Objectif atteint, parce qu'on a fait quoi, là? On a juste avancé. Boum! Bon voilà, on a explosé une tente. Yeah. Because! Parce que nous sommes américains! We are America. Oui, c'est vous. Alors nous, c'est comment déjà en anglais nous? Attends, je m'en souviens même plus. Oh, c'est grave. C'est grave, docteur. Il va falloir consulter un médecin là. C'est compliqué. Et comment on voit la carte? Ah, objectif. Yeah, 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 faut aller en face. Let's go. Wouah! What? Et what? Un véhicule! Il est où l'autre? Ah bah il a été tué par l'explosion. C'est parfait. Continue. Sur le coup j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un char d'assaut. Mais non. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des chars d'assaut dans cette mission. Dans mes souvenirs... non. Par contre, il va y avoir un passage qui sera bien hard. Ça sera quand on sera dans la base, donc va falloir sauvegarder avant. Ah, déjà là, il y a des ennemis. On va les laisser là. Ah super, l'alerte a été donnée. Je crois qu'il faut contourner par là. Ok, il meurt quand lui. Bon, on va finir comme ça. Voilà. Yeah, yeah, yeah. Là, il y a de la technique. Oh, oh, oh. Ah là, il y a des balles partout, là, les gars. C'est compliqué. Pom 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 pom. Hop. Ouais. Allez. Ah, mais il y a du lag que dans les menus. Ah bon, on entend l'alarme là. Comment les gars? On est très discret. Hein. Ah, il va avancer les gars. Faut aller sur le côté là, je m'en souviens. Tac. Yeah. Ils sont derrière les autres. Ils mettent du temps à venir. Waouh. Une distance d'affichage hors du commun. Ça vaut la coupe, ah, fiche-toi. C'est plus simple de viser dans celui-là, quand même. Parce qu'il ne rame pas. Voilà, quand on bouge, c'est fluide. Malgré le mini input lag que j'ai par rapport voilà, à la capture. Parce que je joue sur la capture. Hein. Bon, c'est quand même largement jouable. Ils sont derrière là. Ah ok. Il y en a un je ne sais où là. Il y a un dissident là. Ah. Oh le fou. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a fâcheusement ennuyé. C'est que sur la capture là. Actuellement, bon, c'est un peu plus sombre que sur que juste sur mon écran cathodique, mais bon, ça c'est normal, parce qu'on est sur écran plat, là. Enfin, l'ordinateur portable qui a un écran plat. Bon, ça c'est un peu normal. Par contre, et c'est largement jouable. Par contre, quand j'envoie la vidéo en ligne, enfin déjà quand j'encode sur Vegas Pro, la vidéo devient extrêmement sombre, et quand je upload après sur YouTube, c'est encore pire. Et très très sombre, hein, les couleurs bien délavées, bien dégueulasses. Alors j'ai remarqué que ça le faisait pas sur tous les jeux, mais sur Desert Storm, c'est pas terrible. Parce que de base, le jeu n'est peut-être pas très clair, voilà. C'est assez sombre. Voilà, donc forcément. Après, j'ai testé en augmentant pas mal la luminosité de l'écran. Et bon, si on augmente la luminosité de l'écran, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Si on augmente assez fort. Après, tout dépend de votre écran. Sur un écran de téléphone, j'ai testé sur mon téléphone. C'est pourtant un téléphone bas de gamme qui a un écran très peu lumineux que j'ai. Oui, parce que moi j'ai un ordi de la mort qui vaut des milliers d'euros. Par contre, à côté de ça, mon téléphone... Voilà. C'est compliqué. Ce n'est pas un iPhone. Pour tout vous dire, c'est un Motorola G6. Il fait le taf, hein, ça fait 4 ans que je l'ai. On doit sur des ennemis. Et bien même avec un téléphone assez entrée de gamme quand même comme ça, et bien, on a quand même, malgré tout un beau rendu en mettant la luminosité à fond. Alors voilà, va falloir que vous mettez la luminosité assez fort sur votre écran. Sur téléphone ce n'est pas trop gênant. Mais sur un écran d'ordinateur par exemple, ou une télévision, alors une télévision encore ça va, hein. Si vous connaissez assez bien votre télé, hein, petite télécommande, allez hop, vous allez dans les menus, luminosité, hop c'est bon. Par contre un écran d'ordi c'est super chiant à changer la luminosité. Donc ouais. Un ordi portable ça se fait en une seconde, par contre un écran d'ordi, ah, là par exemple je vois rien du tout. C'est vraiment sombre là. Je crois qu'il y a un cycle jour-nuit, hein. Ça commence à être de plus en plus sombre. Dans mes souvenirs, il y avait un cycle jour-nuit dans cette mission. C'était assez stylé. Là, faut avoir le gars dans le Mirador. Je crois que je l'ai eu. Hop, faire attention. C'est là que la mission devient un peu plus compliquée, parce qu'on va devoir rentrer dans les bases. On va devoir fouiller ce qu'il y a là-dedans, dans cette base irakienne là, ouais. Soviétique plutôt. Emplacement de SAM. Utiliser des charges C4 pour détruire les emplacements de missiles, la seule air ou le générateur. Bon, par contre, faut trouver les C4. Faut trouver les C4, faut fouiller dans tous les bâtiments là. Je crois que dans la grande tour là, le Mirador là, il va y avoir quelque chose. Oh là là, ça devient chaud là. Bam 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 bam. On n'a pas entendu ça? Salut. Hein? Pas d'appel à ça? Ah, les chiottes turques. Oh! Quelle saloperie ces chiottes là. C'est dégueulasse. Ouais, et puis bon, déféquer en faisant du sport en même temps, parce que bon, faut faire la chaise. C'est compliqué quand même. Ah là là. Je n'aimerais pas vivre là-bas. Oh! Après, c'est peut-être pour ça que les Turcs... Ils ont des jambes, mais purée, vain Dieu, des jambes de cycliste. Tout à fait. Objectif atteint. Je sais même pas ce que j'ai récupéré. Ah, j'ai... Ah bon, c'est les lunettes nocturnes. Ah, attention, attendez, quand je bouge. Attention. On voit visuellement qu'il porte des lunettes nocturnes. C'est incroyable. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'argent là, Pivotal Game. Pivotal Game pour ce jeu. Ils ont mis beaucoup plus de moyens que Conflict Vietnam. Donc là, attention, il y a rien. Voilà. Oh là 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 là, on peut détruire les vitres. Oh là là, mais c'est le futur. Bon, c'est super mal fait, mais quand même. 20 dieux. Alors, j'ai ramassé carte d'accès de l'armurier, très bien. Il est où, lui? Ah, il est là, juste là. C'est tellement sombre. Il y a un truc qui m'interpelle là dehors. Dehors, pas dans le jeu, mais chez moi. Il y avait une lumière. Ah bon, peut-être un avion. Oh, voilà, c'est bon. Ah, juste c'était ça. Parce que pour raconter un peu ma life, j'habite pas loin d'un aéroport. Voilà. Ce sont les seuls indices que vous avez. Oh la purée, il est loin lui. C'est quoi les bips qu'on entend? Alors, là-bas il y a quelqu'un aussi. Ah, je n'ai plus beaucoup de balles, va falloir faire attention. Bon, je vais descendre, hein, on peut pas les avoir de là. Attention, il va peut-être avoir des renforts. Ouais. Attention, parce que je n'ai plus vraiment beaucoup de balles. Hein. Trou de soins. C'est bien, mais il n'y a jamais de balles ici. Il n'y a jamais de balles. Boum. Boum, 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 boum. Bon, pour l'instant, il est quand même assez simple, la mission. Donc, je sais pas comment on fait pour arrêter cette alarme atroce là. Ah j'allais dire c'est arrêté mais non. Tac tac tac, on a des munitions pour un AK-47, très bien. C'est mieux que rien. En fait je n'ai même pas besoin de mes coéquipiers là. Il y a un ennemi là-bas. Parce que je vois qu'il vise quelque chose. Voilà. Mais j'y vois rien. Oh purée. Mais pourquoi il vise à côté? Il est con. Ah non. Ah c'est un attardé. Bon, je vais prendre cette arme. Let's go. Il y a un truc qui brille là-bas. Déverrouillé. Ah c'était la carte d'accès. Attention. Attention. C'est pas très bien fait, on n'entend plus l'alarme dès qu'on est dans ce bâtiment. Enfin. Bâtiment dans ce bardage là, je sais pas. Alors que c'est grand ouvert là. Ce n'est pas très réaliste. Bam, 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 bam. Oh! Et là on l'entend. Et là on ne l'entend plus. Bon. Soit. Y'a personne encore là? C'est la dèche ici. Il n'y a personne les gars. Je chope un fusil à lunettes. C'est parfait. Énormément de munitions pour la K47. Et un lance-roquette, alors attention, parce que lance-roquette, il va peut-être avoir du coup un char finalement. Peut-être sauvegarder un petit coup, pour être sûr. Et puis pour l'instant, je roule sur le jeu. Enfin, la mission 1 est plus dure, quoi. Oh, d'accord. Ah, lui, il arrive d'un coup comme ça, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut peut-être dire la même chose qu'à la Wagba. Voilà. Oh là. Je ne l'ai pas. Ah, c'est bon. Alors j'entends un bruit là. Ah, c'est ces trucs là qu'il faut péter. Ah, attendez. Ils disent de les péter au C4. Ça se trouve on peut les péter juste avec une grenade. Attendez, si je balance la grenade là, je me casse. Ah bah oui, parfait. On peut les péter comme ça. Il est où l'autre? Ah. Attendez, il a visé quelque chose là. Ah, là j'y vois rien. C'est peut-être pas mal de prendre les lunettes. Ah bon, on voit mieux. Oui. De Dieu! Pour une fois que des lunettes infrarouges servent dans un jeu. Ouais. Bon, pom, 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 pom. Ah, on peut aller par là. Allez, on peut exploser ça là. Ah, purée. Ça passe. Bon, je me soigne, hein. J'ai tellement de soins. Je m'en fiche un peu là. Bah, et il est où? Ah, ok, ils sont arrivés là. Okay. Hop. Ah d'accord, il peut même pas sauter de là. Il y a un mur invisible. C'est magnifique. Là aussi du coup. Un vieux mur invisible. Hop. Ok. Oh là oh là là. Oh là là. En normal, je serais mort direct. Ah mais je crois qu'on peut juste, de mémoire... Ah bah oui, on peut juste tirer comme ça dessus. Il n'y a même pas besoin de poser de C4. Pourquoi ils disent de poser un C4 sur chaque missile comme ça? Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, il y a des munitions et tout, tranquille, trousse de soins aussi. Bon, je pense que là j'y arrive. Ah purée. Mais vise-le! Oh là, mais quel abruti! Vise à côté. Ah, ils sont où les autres missiles? Mais bon, je suis pas allé au bout, je crois, là. Il y a des trucs par terre. Hein. Ah non, c'est des taches de sang. C'est des mares de sang. Ouais. Tellement réaliste ce bruit. On dirait que c'est Bernard qui est en train de s'occuper de son jardin. Il a sorti la tronçonneuse. Voilà, attendez. Voilà, là c'est plus facile. Il n'y a plus d'ennemis. Hop. Et ils sont où là? Je n'ai pas compris. Ah attendez, il faut monter là-haut. Ah purée. Allez là, crève. Ah, il veut pas mourir, lui. Hop. C'est ça qu'il faudrait péter. Le truc qui balance l'alarme, là. Les haut-parleurs de Fourbeux et de Scapin. Pour ne pas être grossier. Attendez, mais c'est là en fait qu'il y avait le trailer. Enfin, le trailer. L'introduction du jeu. Faut exploser ce truc là. Ah, c'est là-dessus qu'il faut mettre un C4. Ah, ou alors, voilà. Boum. C'est plus rapide. Hop. Objectif atteint. Il reste quoi d'autre? Ok, super. Encore des ennemis. Hop. Nickel. Je n'arrive pas à voir les autres missiles. C'est un missile, ça? Ah ouais. Ok. Il n'y a pas d'autres missiles. Il n'y a pas grand chose. Pam 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 pam. Ça se trouve j'ai eu tous les missiles. Ah non, emplacement de SAM. Utilisez charge C4 pour détruire les emplacements de missiles, sol, air. Il y en a un. Juste à côté de moi. Ah bah là. Et boum! Retourner à la zone d'atterrissage. Bah nickel. Ah écoutez les gros. C'était pas très... Ouh! Mais non mais vise-le! Mais quel abruti! La cible elle se met ici, mais lui il ne vise pas. En route pour l'attaque terminée. Bon bah venez les gars, on se casse. Oh je vais me soigner. Hop, on en a tellement des soins. Ah attendez. Ah excusez-moi. En fait, c'était l'un des alliés, là, qui a dû détruire le passage, là-bas. C'est pas... Évacuation. Ah, mais ce n'est pas au même endroit qu'au début. Si? Attendez. Il faut... Quitter la base pour une attraction par hélicoptère. Une extraction. Là, c'est écrit tellement petit. Hop. L'extraction par hélicoptère, let's go. Ah, excusez-moi d'ailleurs pour le gros retard, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Le gros retard pour cette partie 2 du Let's Play. Mais bon, je continue, vingt Dieu. Il y aura, voilà, malgré tout, voilà, bah, malgré ce retard, il y aura quand même au moins une vidéo. Une semaine après, la première partie. Ça va une semaine, ça passe. Quoi? 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 Attendez, 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 attendez. C'est quoi cette blague? Je crois que c'était marqué hélicoptère détruit. Ça m'est jamais arrivé ce truc là. Ah, fallait les zigouiller avant. Oh là là. Et comment on peut savoir ça? Oh, par contre, hein, je vous préviens, j'ai la flemme. Ça me prend du temps, moi, de faire des coupures, de faire un peu de montage sur les parties. Et sachant qu'il m'en manque vraiment en ce moment du temps. Donc, sincèrement, hein, voilà, je laisse comme ça. On fait vraiment brutalement le let's play. Je ne pense pas faire de coupure à l'avenir. Sauf si vraiment, voilà, si vraiment c'est pénible et qu'il y a une grosse défaite et qu'il faut tous retaper. Là, heureusement que j'ai sauvegardé d'ailleurs. Heureusement que j'ai sauvegardé. Voilà. Je suis un peu enrhumé. Déjà, ça c'est fait. Alors ça... Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va mettre les lunettes. Hop. Le mirador là-bas. Purée, mais... Ah, ils sont nombreux. Ça c'est fait. Le mirador. Voilà. C'était pas très réaliste comment il est tombé. Ah, c'est genre... Hein. Oh tiens, si j'allais me sauter... si j'allais sauter du mirador d'un coup. Alors qu'il était quand même assez loin de la barrière. Mais bon, hein, il faut du grand spectacle. Hein. Du coup, il faut que le gars... il montre que 20 dieux... qu'on l'a bien descendu, quoi. Mais vise en bas. Oh, mais il est con. Pourquoi la visée automatique est complètement foireuse? Voilà. Oh là 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 là. Bon, maintenant on sait, hein, on sait ce qu'il faut faire exactement. Hop. On va détruire les missiles. Il y en a un en bas ici. Voilà. On est allé là-haut. Je ne sais même pas quand j'ai sauvegardé. Et je peux sauvegarder une deuxième fois. Donc on va re-sauvegarder après, juste avant l'extraction. Avant l'histoire de l'extraction. Ils sont pénibles. Voilà. Super. J'en ai vu un autre là-bas. Ah non, c'est juste un pixel. Un pixel qui a bougé. Tellement que la résolution est élevée. Bien. Évidemment, on joue en 4K. Voilà. Boum. Alors j'ai quand même pas mal de munitions sur l'AK-47, donc je pense que ça nous a mis quand même assez loin. Et voilà, j'ai quand même fait pas mal de choses là. Ah, quoi qu'il y a un missile là. Il y a le missile, il reste l'avion en bas. Tac, tac, tac. Il y a quelqu'un là-dedans ou... Non, il n'y a personne. Allez, les cœurs. Ça va au corps. Attention, boum! Objectif atteint. Il y a un missile là-bas. Ah là on speedrun, hein. C'est direct. Personne là-dedans. C'est bon. Tac 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 tac. On récupère un peu d'équipement. Un petit peu. Il y a le missile au loin. Oui. Retourner à la zone d'atterrissage. Ok, très bien. Donc là, allons-y. Et normalement, il faut aller... Je crois qu'il y a un passage par là, ouais, c'est ça. En route pour l'attaque terminée. Allez, lui, il va par là, l'hélicoptère. Je vais sauvegarder. Hop. Comme quoi, il faut vraiment tout le temps sauvegarder dans le jeu. Donc en or, je ne sais pas ce qu'il fait. Ok. On approche de la zone d'atterrissage. Donc oui, c'est les potes. C'est les potes qui viennent. Pas tirer sur le réservoir. Ou faut tirer là. Ah c'est ça. Le réservoir est là-dedans. Ça n'a aucun sens. Ça. Ah purée, c'est là. Voilà. Et là c'est bon. Ah c'est l'autre qui descendait le truc. En fait fallait sortir par là sinon c'était mort. Parfait. Remise d'une médaille. Hop, remise d'une médaille, tac, très bien. Niveau suivant. Par contre on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer les spécialités comme dans le conflit de Vietnam. On n'a pas de points d'expérience. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça là. Cette histoire de caractéristiques, d'expérience, de changement de niveau. Ça n'a aucun sens parce que ça sert à rien dans le jeu. Ah attendez. Sauf que c'est un TPS donc on s'en fiche un peu. Nous sommes à 40 minutes. Attendez, il est quelle heure? Je n'arrive pas à voir l'heure. Tac. Wow, je vais pouvoir tourner une seconde vidéo. En tout cas, c'est la fin de cette partie. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour la suite du let's play tant attendu. Tellement attendu qu'il y a tellement de vues, de commentaires. C'est incroyable. De Desert Storm. À la revoyure.